internet, fermer les annonces et tout ça. Et il dit, à mon avis, il va pas rester longtemps. Alors il m'a passé le numéro de téléphone, tout le bazar. J'ai téléphoné au gars, je suis allé chercher, on a fait affaire. Il était incroyable ce poste. Oh putain. Alors, des stations lointaines comme ça qui discutaient, j'appuyais sur le micro, pam, la réponse fusée immédiatement. Ah, ça cherchait pas, c'est sûr, il m'entendait. Avec celui-là, le report, il était vraiment toujours très flatteur. Alors, j'ai dit, est-ce que le poste, on en voit plus que les autres ou quoi? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais j'en avais gardé un tellement bon souvenir que j'ai cherché à en retrouver un autre. J'en voulais un autre, mais sans le coupleur d'antenne incorporé, tu sais, qui tombe facilement en panne. Alors, j'ai le 416 qui n'a pas, qui n'est pas SAT, tu vois. Bon, mais autrement, tous les circuits, c'est exactement les deux mêmes postes, SAT et le SAT ou le S. Et je n'ai pas retrouvé le tonus qu'avait l'autre. Et puis quand j'ai vu ça, là, dernièrement, parce que je ne me rappelle pas comment il était gradué, l'autre, mais là, l'échelle Watt monte jusqu'à 150, et puis il y a encore un trait, puis il y a W. C'est-à-dire que ça doit pouvoir dépasser même un signal sur l'afficheur, ça doit pouvoir dépasser les 150 watts, et aller, si c'était à bloc, là, au taquet, jusqu'à presque 200. Moi je sais, les temps qui sont dessus, je les connais, c'est des deux associés 2290 d'origine japonaise, de chez Mitsubishi. Ces transistors-là, ils sortent 100 watts sans problème. Un, chacun, il y en a deux, c'est un push. Donc même en considérant quelques pertes, les 150 watts, mais alors les deux doigts dans le nez, faut que je te dise. Ouais, d'accord. Et alors là, j'ai pris la loupe pour mieux voir. Effectivement, lorsque je parle, je monte à 50 watts. Et quand je siffle, alors là, je monte à 60. Alors, il indiquerait des watts modulés, parce que les watts dont je te parle, c'est ce que je lis, comme ça, là. Si je suis en FM, c'est... Eh bien, pourtant, oui, ça indique 50 watts, parce que par mon réglage, je suis à mi-mesure, c'est 50 watts à chef. Ah, c'est ceci. C'est un véritable journal télévisé. Alors, entre les postes qui sont les puissances PEP, et puis alors, avec les antennes qui ont un gain en DBI monstrueux, avec des trucs que c'est même pas dans le dictionnaire, parce que s'il y en a beaucoup, ils sont contents, ils achètent une Amtron 99, ils lisent la notice technique. Gain de l'antenne 9 dB.9, le mec qui a écrit ça, il y a longtemps qu'il devrait être en prison. C'est un DBI. C'est des menteurs. C'est impossible. Arrête de critiquer mon Antoine. Je critique pas ton Antoine, mon garçon. Je critique le connard qui s'est perdu. Cette grosse connerie. Alors attends, attends. Parce que je vais te lire la doc de ma certaine XY4. J'ai vu ça ce matin, je dis bon, faut que je dise ça à Christian. Gain 12 dB. Putain, mais... Des pays, alors, ah ouais, parce que alors maintenant j'ai appris, parce que moi j'ai été à l'école un peu, pas longtemps, certes, parce que j'étais un branleur, je voulais pas travailler. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Et alors il y a les DBI et il y a les DBD. Alors, parce que faut pas se mélanger. Et lui, je le plus, c'est en plus il écrit à l'encre. Et ouais, mais j'ai écrit à l'encre sur la gueule de mon professeur. Ah, tu vois, je t'avais dit le voile. Un jour, il s'est mangé un grillé tellement il donnait conseil. Comme ça, parce que quand il y a de la neige, il suffit d'envoyer un petit peu, puis ça fond, quoi. Moi, je crois que c'est surtout à but commercial. Plus il y a de puissance, et plus les gens plongent. Alors évidemment, ils sont pas aperçus, ils sont pas courts. Moi, je connais que la puissance HF, la puissance de porteuse. Tu la modules, après, etc. Alors, tu peux arriver à la puissance PEP, qui est la puissance du cycle de puissance maximum de ta modulation, tu vois. Alors tu prends la partie qui est en dessus, la puissance partie qui est en dessous. Normalement, si tu fais les milieux, quand tu es un UHF modulé, la puissance modulée doit correspondre à la moitié, au double de la puissance HF. Puisque tu augmentes l'amplitude.
l'amplitude du signal au-dessus et au-dessous. Sinon, c'est la puissance HF qui doit être la moyenne de ta puissance modulée. Mais c'est normal. Puisque la bande latérale est là-bas, s'il n'y a pas de modulation, il n'y a pas de signal. Ouais, d'accord, mais enfin, quand c'est modulé, il y a des creux et des bosses. Donc, si tu prends le cycle de plus grande amplitude, tu as la peak enveloppe power, c'est-à-dire l'enveloppe, c'est la modulation, tu vois, qui module ta HF. Et dans ces cycles de modulation, il y a le cycle de plus grande amplitude. J'aurais bien vu prendre le lycée, moi, Robert. Ça passe par un sommet de la courbe. Alors, ça c'est la puissance pip, pip. Ah, mais en position. Peak enveloppe power. Profession. Comme ça, mais comment dire, du civilité technique, parce que je vois que t'aimes ça en plus. Ah, mais je peux t'assurer que oui, qu'il aurait plus de profession, je suis bien placé pour t'en parler. Ne faites pas gonfler les chevilles, les mecs, non, j'ai pas la vocation de l'enseignement, et surtout, je crois que je n'aurais eu aucune pédagogie. Et les formules optiques que tu m'as bassinées pendant je sais pas combien d'années, qui c'est qui me les a appris, espèce de petit coquin. Ah ben oui, mais t'étais un passionné, tu aimais ça. Et il faut dire que je détestais pas ça non plus, la photo. Putain, ça m'a bien passé. Maintenant, si je mets mon œil devant le viseur, j'arrive plus à cadrer la photo. C'est forcé que ça m'est passé. Et je n'en fais plus. Pourtant, j'ai tout l'équipement encore là-haut dans la salle de bain, tu vois. L'agrandisseur, le machin, j'ai des papiers Ilford de multirode, avec toute la batterie de filtres qui vont bien pour corriger les contrastes, tu sais. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai le densitomètre volumat. Oh putain, je me servais même pas d'appareil comme ça quand j'étais professionnellement, quoi. Quand on se travaillait sur face sensible au labo, et j'avais même pas des appareils comme ça. Et j'ai trouvé un jour dans une brocante un densitomètre, mais c'est pas le volumat. C'est un densitomètre électronique qui a été construit par la société Philips, qui te permet de mesurer sur le plateau de ton agrandisseur les différences de lumière, les contrastes, les machins. Il y a une petite cellule au bout d'un fil que tu peux balader, tu sais, un petit peu partout sur toutes les zones que tu veux mesurer. Oh mon bon, si j'avais eu ça pour travailler, quand je travaillais. Oui, le volumat, tu le connais bien, mais j'en ai vu un dans ton laboratoire, et après j'en ai revu ailleurs. Et après, quand j'ai fait mes stages de photo professionnelle chez Kodak à Paris, là j'ai vu des choses. J'ai même vu des mannequins moitié déshabillés, ça m'a beaucoup plu. Ah ouais, mais il n'y a pas d'électronique là-dedans. Si, si, un peu, si, si, il y a des gosses. Ah oui, oui, d'accord, si elles sont garnies. Mais il n'y a pas d'électro. Condensateur pour la décharge. Le seul qui a voulu s'en servir, tu as vu, il est mort. Condensateur, les gosses, la décharge, un condensateur. Ben oui. Ils essayent de remplacer l'homme, mais l'homme restera toujours l'homme, mesdames. N'essayez pas de nous remplacer, nous sommes irremplaçables. Il y en a qui nous remplacent et puis très facilement. Elles arrivent à faire fort entre elles, disons. C'est pas beau ça. J'aimerais bien être au milieu, moi. Les hommes aussi y arrivaient, Robert. Ah oui, on savait aussi. C'est pour ça que la plus belle partie de mon corps, je suis assis dessus. À part ça, Fabrice, ça va? Ah oui, ça va, moi aussi, je suis assis dessus. Ouais, ça va. Tu risques rien, alors, Fabrice. C'est pour pas que ça s'en aille. C'est ça, c'est pour éviter les fuites. Propriété privée. Voilà, verboten, discut. Entrée et inclusion. À utiliser avec Simonie, où c'est qu'elle est celle-là, il disait l'autre. Bon, j'ai l'impression que le terrain devient glissant, là. Alors, pour pas déroper, je vais m'abstenir. Je vous écoute, les copains. Non, mais c'était juste une petite dérive. Il faut pas qu'on soit trop sérieux, hein. On va se recaler en fréquence. Notre président, il va bien sauter sa copine en soi, en scooter, avec un casque, pour pas qu'on le reconnaisse. Je vois pas pourquoi on serait pas plus con que lui. Il faudrait se lever tôt, là. Il nous manque juste les 20 000 euros par mois, quoi. Ah bon, tu les as pas? Ah, putain, t'es fou, toi, quoi. Il doit pas y avoir beaucoup d'ouvriers qui touchent 20 000 euros par mois. Ah bah, t'imagines, là je m'achète un FT, je sais pas quoi, 10 000 toutes les semaines.
Non, mais tu pourrais prendre l'ICOM, le 7800, ou le dernier Yaizu, le 9000 et quelques. Oh là là, je te bête. Ah ouais, le 9000 DX. Là, ça fait mal. Hein. Ah, pour faire de la CBI, ouais. 9000 euros. Et mon copain qui est indicativé, il m'a dit qu'il y avait des CBI qui avaient acheté même le 5000. Le 5000, il vaut déjà 5000 euros, quoi. Et ouais. Putain, pour rester sur le 27555, 5000 euros, ben, pas moi la peur. Ah oui, ça me fait rigoler, moi, ça. Non, mais fait, je m'en fous, je suis pas jaloux. Le mec qui se fait ça, c'est qu'il a envie de se faire plaisir, puis il a certainement les moyens de l'acheter. Sinon, il l'achetait il y a pas longtemps. Le mec, il m'a bien précisé que c'était pas toléré, que c'était des... Il m'a dit, les cibistes, c'est bien parce qu'ils font leur loi eux-mêmes, la tolérance. Il m'a dit, il n'y a pas de tolérance, il y a une norme, c'est tout. Alors, remarque, j'ai vu un vieux catalogue EuroCibi sur lequel il y a différents postes. Et puis, quand tu arrives dans les. Alors, sur certains postes, c'était bien marqué, également sur ce chapitre-là, les amplis. Matériel réservé aux radioamateurs. Ce qui est supposé qu'ils n'avaient pas le droit de vendre ça à des cibistes. J'imagine que les marchands, ils devaient exiger une copie de sa licence ou son indicatif ou n'importe quoi pour plus. Mais les magasins, ils avaient tous les forfaits, là. Mais tu penses bien qu'ils se sont pas gênés. Tous ceux qui en voulaient, mais bien sûr nous en avons, en voilà, et puis voilà, c'est tout, quoi. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ici, 7850. 12 990 euros. C'est pas difficile. À quel prix, Maurice? 12 990 euros. Ouais. Et après, tu mets une entrante dessus. Plus de 10 000 euros. Pour faire du 4 watts 40 canaux, dis donc. Ah, ben oui. Bon, déjà, t'en parlais l'autre jour, je te précise que la CBI avec un poste émetteur, verbeau. Commençons par le début. Là, peut-être qu'il ferme les yeux, parce qu'en définitive, il faut quand même pas oublier, monsieur, quand je t'ai dit qu'à mes oui, et puis l'écoute est libre. Ouais, puis l'écoute, ouais, vous ne brouillez pas l'écoute, ouais, je crois qu'il écoute, ça dépend où tu vas, ça dépend ce que tu vas écouter. Ah ben l'écoute radio amateur est libre. Absolument. Autrefois, il y avait une licence, là, du temps de la DTRE, il y avait la fameuse licence, et d'ailleurs, c'était prédicité, en pensant qu'avec cette licence, il avait le droit à la terre, ce qui était absolument faux, d'ailleurs. Ouais, tout à fait, c'est ce que j'ai fait, moi, d'ailleurs. Rassure-toi, j'ai fait comme toi. J'ai une petite carte bleue, licence d'écoute et tout, puis je me dis, bah, comme ça, si on dit quelque chose, je sentirai la carte. Ce qui prouve que nous sommes quand même des gens de bonne foi, on essaye de rester quand même près de la loi, la preuve. Oui, mais on aime la radio, voilà, c'est tout, on aime la radio, on aime le QRM, on aime, voilà. T'inquiète pas. Quand même, il n'y a pas trop de risques. Je pense qu'ils ont certainement beaucoup plus d'emmerdement avec Internet. Parce que ça, c'est dangereux. Ah, c'est sûr. Là, le mec, il peut contacter n'importe quel pays, faire ce qu'il veut, chier. Pas sur la table des Français. On peut faire énormément de saloperies, plus qu'avec le civil. D'ailleurs, je pense qu'ils sont certainement énormément préoccupés par ça. Au moment que tu vas pas sur les barres interdites et que tu les brouilles pas. Pourriez-vous me brouiller un jour à 7h du matin? Qu'est-ce que tu dis? Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment? Mais dis-moi, grand, il y avait eu plein ou bien c'est qu'ils ont détecté comme ça des émissions?